Toum, touloudoum, touloutouloum, toum, touloudoum, touloutouloum. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon version H Grey, l'épisode 23, la tour de la terreur. Donc, vous voyez, j'ai battu tous ces gens sur la route parce que c'est pas très intéressant. Voilà, tout simplement, je les ai battus au préalable et j'arrive à Lavandia. D'ailleurs, je vais passer par le centre Pokémon pour faire durer la vidéo, parce que ça va pas être long. Mais bon, j'ai pas envie de vous montrer des combats de farm. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y a à Lavandia? Il y a des gens qui te parlent de Monsieur Fuji, et il y a une tour. Alors, Monsieur Fuji n'est pas dans les épisodes, et il a un refuge, et où il te propose de récupérer de ses Pokémon. Et le problème, c'est que je vois pas pourquoi il y a ça. Enfin, ça n'a aucun rapport avec avec la série Pokémon. Et en plus, les Pokémon qu'ils proposent, c'est de la daube aussi. Parce que Roucoul, Rattata, Misterbe et Piafabec, ben c'est vraiment nul. Voilà, il faut le dire, c'est nul. Quoi qu'il y ait un épisode où elle récupère Misterbe. Misty récupère Misterbe, mais ça n'a aucun rapport. Là, il y a le renommeur de Pokémon. Bon, je vais pas renommer mes Pokémon. Et il y a un shop où ils vendent un peu que de la merde. Voilà. Bon. Alors, donc on me parle de sang, de trucs qui est pas cool dans le manoir Pokémon. Enfin, la tour Pokémon. Une tour horrible, affreuse, abominable. C'est vide. C'est vide et il faudrait flash. Mais j'ai pas flash. Où est l'entrée? Dame. Je suis perdu. Je suis... Ah non, c'est là. Hein? À manger. Oui, je reclique plusieurs fois. Et donc, une seule surprise. Poulvis. Bah oui, je poule. Et welcome. Donc là, oh mon dieu, les plats, ils commencent à faire n'importe quoi. On est dans un putain de manoir hanté. Et je parle pas de la forme du manoir, hein. Et donc dans cet épisode, il y a des hunters, donc qui sont des fantominius, des spectrums, des ectoplasmas qui s'amusent. Et toi tu te retrouves un peu en forme de fantôme, à faire un peu n'importe quoi. Et donc tu te retrouves dans leur salle de jeu. C'est Toy Botch. Oh, Ronflex, Ronflex. Voilà. Et donc, maintenant, hop, je lui dis, ouais, non, désolé, j'aimerais bien jouer avec vous toute ma vie, mais mon rêve, c'est de venir mettre Pokémon, et j'ai besoin d'un Pokémon Spectre. Et donc, Hunter te dit, Hunter décide de follow. Donc, il te follow sur Twitter. C'était ma plus belle blague. Comment qu'on tac. Voilà. Donc je gagne une balle fumée. Une balle fumée. Comment ça se dit en français? Smoke wall. Ah non, c'est une balle fumée. Ben, voilà. Boule fumée qui te permet de fuir les Pokémon. Enfin, fuir les combats plus facilement. Donc je sors de la tour. Ah, il y a Team Rocket, j'avais zappé. Ah, j'avais zappé. Ah ben, il y aura de l'action. Il y aura de l'action. Voilà. Donc on va pas faire farmer mon hunter vu qu'en fait je ne m'en servirai pas. Mais ça, je vais pas trop spoiler. Hein. Mais donc, allez, on va affronter Ekans, donc Abo en français. La Team Rocket, mais comme on l'affronte pas tous les épisodes dans H-Grey, je zappe quand on l'affronte, c'est un peu aléatoire hein, de toute façon. On l'affronte plus que dans Pokémon Jaune, où je trouve qu'ils l'ont mis à trop peu d'endroits. Et le seul endroit qui m'avait ennuyé, c'était Mont Sérénité sur Pokémon Jaune, je sais pas. Enfin, tu finis Mont Sérénité et bam, juste avant la fin, ils arrivent et souvent, t'es là, tu calcules un peu que c'est ton... Comme tu connaissais la version bleue et rouge dès que t'as acheté la jaune, et ben tu te retrouvais en te disant, bon... Allez, j'ai fini l'endroit, même si mon Pokémon a plus de vie, c'est pas de soucis. Et là, bam, Team Rocket. Et je m'étais retrouvé une fois
Mais avec un Pikachu mon Pikachu empoisonné, il lui restait 7 points de vie. Et empoisonné, donc dans la première génération, dès que t'as un Pokémon empoisonné et qu'il meurt, eh ben c'est le retour à case départ quoi. Maintenant le poison s'évanouit dès qu'il te reste un point de vie. C'est un peu mieux. Enfin bon. Donc la Team Rocket, j'en fais qu'une bouchée avec mon Bulbizarre. Voilà, on les découpe, on leur marave leur pays. Voilà. On leur marave leur pays, c'est un peu long quand même. Hein. Ouh, j'ai 2 points de vie. Allez, tu vas le one-shot. Non, je veux aucune chance. Aucune chance de one-shot, surtout que c'est pas très efficace. Je croyais en la force de l'amitié. Je suis désolé, hein. Mais, ouais. Ouais, la force d'amitié, ça fait pas gagner les matchs. Il paraît. Ouais, je suis empoisonné, bah, comme d'hab. Hein. Pikachu empoisonné, c'est un peu une habitude hein, chez moi. C'est une marque de fabrique. Hein. C'est une marque de fabrique. Que dire d'autre? Ah oui, l'épisode se termine sur le message. Peut-être que la façon de battre Morgane, c'est de la faire rire avec les blagues de Spectrum. Ou quelle est la sortie? Voilà. Bon, parfait. Donc, je vais au centre Pokémon et je vous souhaite une bonne journée, matinée, soirée, nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.